Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit partenariat Craspire. Il m'avait contacté la fin de l'année dernière et j'avais passé une commande, notamment pour la Saint-Valentin. Et puis, ne voyant rien venir, je les ai recontactés. Et puis, apparemment, le colis s'est perdu dans la nature. Il n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Donc, j'ai refait ma commande dans le coup parce que je me suis dit, ça arrivera après. Ça sera trop tard, donc j'ai recommandé autre chose. Voilà, toujours très très bien emballé. Le petit papier avec les produits. Voilà. Et puis, j'ai pris des washi. Voilà. J'ai pris pas mal de, comment ça s'appelle, de pastilles. Ah oui, puis ils ont remis des crayons, voilà, j'ai de quoi faire. Hein. Alors, on va aller dans l'ordre. Je vais reprendre moi ma commande par rapport à eux. Alors, les rouleaux de washi, on commence par ça. Donc, j'ai comment. Tu peux venir, Alain, parce qu'il fera peut-être grossir. Voilà. Oh là, c'est large, ça. Comme j'ai toujours en prévision de faire un junk, je me suis dit, des petits washi sympas qui pourraient très bien aller. Alors, c'était un lot de 7 washi tape de 5 tailles. Donc, il y en a un large, il y en a un moyen, on va dire. Un autre un petit peu plus petit, ouais, deux comme ça, et puis celui-ci il y a des écritures, et celui-ci aussi. Donc le grand, je vais vous le montrer de plus près. Je fais pas. Hein? Si, un petit peu pour que vous voyez. Vous voyez, on est bien en face. Ouais, c'est la terre, quoi. Oui, parce que si on prend dans ce sens-là, on voit le haut de la France. Hein. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Il y en a un autre avec des étiquettes. Alors, est-ce que je vais trouver le bout? Oui, voilà. Alors, tu me dis pareil, Alain, parce que là, il faut que je suis en face. Vous voyez, avec des étiquettes, comme ça. Voilà. De toute façon, les washi, on les recolle, hein, parce qu'on sait bien, c'est pas... Là, on n'est plus sur du très vintage. Là. Ils ont mis ta photo. Non, c'est pas moi. Là, c'est des étiquettes avec des coquettes de Paris. Des dames. On voit? Ouais. C'est pas gros. Hein. Non, c'est pas gros, mais il y a beaucoup de motifs apparemment. Hein, donc. Ça peut être sympa. Et puis, les trois petits, je ne vais pas vous les... Là, c'est des petits carrés. Hein, comme si c'est sur les cahiers, mais couleur vintage. Ici, c'est des écritures. Et puis, là aussi. Alors là, c'est écrit, mais alors, c'est minuscule. Voilà. Donc, c'est ce set de... Ce set de 7 washi, on va dire, il était à 2,01€. Donc, le prix très, très raisonnable. Voilà. Après, j'ai pris 300 pièces. Alors là, je ne sais plus si c'est là. 300 pièces. De trois couleurs, ça doit être ceux-là, parce que là, il y en a plus, ouais. Alors c'est pareil, il y a des nouveaux crayons, apparemment, ce qui peut être sympa.
Alors, voilà les trois couleurs. On a du bronze, un rouille et du vert. Donc, c'est sympa. Et les trois crayons. Ils s'appellent rouge, gold et teal. Voilà. Et ça, c'était à 6,86 €. Donc, ça vient là. Bon, bah, on fera des vidéos hein, ensemble. Voilà. Ah, putain, il y en a un que j'ai pas remis. Tu veux le mettre, s'il te plaît? Après, j'ai pris cachet de cire. Hein? Oui, non, c'est cachet de cire, ça c'est les tampons. Alors, c'était marqué cachet de cire lapin rose. Ah non, attendez. Oui, mon mari a raison. Le cachet, c'est là. Je dis des bêtises. Celui-ci. J'en ai déjà un de lapin de l'année dernière. Est-ce qu'on le voit bien? Voilà, c'est un petit lapin rose. Enfin, il met rose, mais il fera le coloriser. Donc, 2,74 € de cachet. Voilà. Après, seau de cire grasse. Alors, en fait, c'est une plante verte. Hein. Je vous montre comme ça. Voilà. Donc, qui est aussi à 2,74 €. Et puis, stamp. Non, ici. Et 700 pièces de 6 couleurs, c'est ça. Voilà. Et là, ils m'ont remis des crayons. Voilà, voilà. Donc, là, on a des 700 pièces à 6 couleurs. Alors, il y a des couleurs qui se ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait pareilles. Oh là là, puis là, il y a tout. Hein. Voilà. Voilà. Là, j'ai 2 cuillères et j'ai 4 bougies pour mettre dans la chaudière. Hein, et 4 crayons. Donc, ça vaut 14,73 €. Hein. Donc, bon, j'avais un budget, je crois, de 40 €. Oui, parce que j'ai mis en euros. Je sais plus. Attendez, je vais reprendre ma feuille. Au début, voir combien il m'attribuait. Non, 30 $, c'était. 30 $. Hein. Donc, alors après, j'ai un code. J'ai un code coupon. C'est-à-dire que si vous commandez et que vous mettez dans la barre du code SALMON10, SALMON, S-A-L-M-O-N, 10, vous aurez 10% de remise. Hein, d'accord? Donc, ben, n'hésitez pas à aller voir. Et puis là, ben, je vous mettrai les références de tous les articles que je vous ai présentés. Hein. Voilà. Donc, je pense que fin février ouais, ou début mars, je vous montrerai une première vidéo de cachet, je pense. Et puis après, je vous montrerai une vidéo avec l'utilisation des washi tape. Voilà, hein. Donc bah, je suis très contente, merci Craspire parce qu'ils sont vraiment très généreux avec moi, puis avec les autres hein, parce que j'en vois d'autres. Je suis contente d'avoir de nouveaux petits cachets, hein. Il y en a un qui est plus grand, ouais. Alors après par rapport aux autres, il faudra que je regarde, hein.
Voilà. Bon, ben, les filles, je vous dis à bientôt. Au revoir.